C'est en tant que membre de la convergence globale Lutte Terre et Eau que l'Association pour la défense des droits des aides ménagères et domestiques, ADAD, participera comme à l'accoutumée à la 4e édition de la caravane ouest africaine « Droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne », une lutte commune. Lors de cette caravane 4e édition, nous allons promouvoir nos droits, surtout, aussi faire le lien entre nous, notre migration et le thème de cette année qui est le changement climatique. Le rôle de l'ADAD au cours de cette caravane, ça sera plus pour sensibiliser la communauté au respect des droits des aides ménagères et travailleuses domestiques. Et montrer aussi que nous avons notre place au sein de cette caravane parce que nous participons à la caravane à cause des accaparements de terres dans nos villages et l'accès difficile des femmes aux terres. C'est toutes ces difficultés et les changements climatiques, c'est toutes ces difficultés qui nous poussent aussi à venir migrer en ville. Tout au long de la caravane, l'association mènera des activités de leadership et des campagnes de plaidoirie. Ce sont des femmes, elles méritent de la considération, ce sont des travailleurs comme nous. Donc c'est un grand défi que l'ADAD veut relever lors de la caravane. Donc je souhaite de faire voir le rôle de ces filles, savoir qu'elles ont aussi une place continuelle dans la société. Lors du lancement officiel de la caravane, nous allons faire une exposé sur l'association. Après maintenant, nous allons faire une projection de film sur le parcours d'une ou deux filles aides ménagères au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, nous allons faire un sketch au niveau Mali sur le lien entre le changement climatique et la migration des filles, surtout le mauvais traitement des aides ménagères. Par les employeurs, voire par la communauté en global. Et en Mauritanie, qui est le point final de la caravane de cette année, nous allons faire un grand panel où nous allons présenter l'association, parler des raisons, des difficultés liées à notre migration et surtout aux injustices incessantes auxquelles nous faisons face lors de ce parcours migratoire. Pour rappel, l'association a aussi comme objectif de renforcer et de faire grandir les réseaux ADAD dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, afin de garantir une meilleure vie pour ces aides ménagères et domestiques paysannes. L'accès de nos mamans à la terre est limité au village. Donc c'est l'une des causes fondamentales de la migration de nous les jeunes filles aujourd'hui.